juillet, l'Église fait mémoire de Saint Joachim et de Sainte Anne, parents de la Bienheureuse Vierge Marie et grands-parents maternels de notre Seigneur Jésus. Le culte et l'admiration de Sainte Anne remontent au deuxième siècle de notre ère. Et l'admiration de Sainte Anne comme sainte et son adoption a été davantage rehaussée au XVIIe siècle lorsque elle serait apparue au prêtre Yves Nicolasic en Bretagne et particulièrement dans la province d'Auray. Et vous savez que Sainte Anne est bien vénérée à Auray. Et en même temps, cette vénération s'est développée au XVIIe siècle et accueillie dans la province du Québec au Canada. Aujourd'hui, Sainte Anne est la patronne du Québec. Le pape étant au Canada actuellement, se joint donc à cette communauté pour célébrer Sainte Anne. Et nous aujourd'hui, nous allons aussi penser à toutes les personnes qui se prénomment Anne, ainsi que Joachim, et nous allons nous confier à leur intercession. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. En célébrant cette Eucharistie pour le repos éternel de Madame Catherine Héral et Jean Martineau, nous nous tournons vers le Seigneur en reconnaissant que nous avons véritablement péché. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise un jour à la vie éternelle. Accorde-nous à leur commune prière le salut que tu as promis à ton peuple. À leur prière, accorde le salut éternel à Catherine Héral et à Jean Martineau qui nous ont quittés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.
Le Seigneur l'a juré à David et jamais il ne reprendra sa parole. C'est un homme issu de toi que je placerai sur ton trône. Le Seigneur, mon Dieu, lui donnera le trône de David son père. Car le Seigneur a fait choix de Sion. Elle est le séjour qu'il désire. Voilà mon repos à tout jamais. C'est le séjour que j'avais désiré. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Là, je ferai germer la force de David. Pour mon Messie, j'ai puis de l'envie. Je vêtirai ses ennemis de honte, mais sur lui la couronne fleurira. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Heureux vos yeux puisqu'ils voient, et vos oreilles puisqu'elles entendent. » Amen, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Acclamons la parole de Dieu. Bien, Jésus s'exclame en disant clairement à ses disciples qu'ils sont bienheureux. Bienheureux celles et ceux qui disposent leur cœur à l'écouter. Heureux celles et ceux qui portent leur attention sur la parole de Dieu, le Verbe Saint-Chair. Oui, il le dit, beaucoup de sages voudraient entendre ce qu'ils ont entendu, voir ce qu'ils ont vu, mais ne l'ont pas vu, ne l'ont pas entendu. Sommes-nous parmi ce bas peuple qui constitue les disciples? Sommes-nous ceux parmi ceux qui ont eu la chance et la grâce de voir et d'entendre le Verbe divin? Et si nous faisons partie de ce groupe, tout ne se limite pas là. Jésus va beaucoup plus loin et il dit « Heureux êtes-vous si l'on vous persécute, si l'on vous insulte à cause de mon nom, soyez dans l'allégresse. » Évidemment, soyons dans l'allégresse parce que nous portons en nous les germes de la grâce que nous avons reçue de Jésus. Et ces germes sont désormais dans l'humanité. À travers le don du cœur de Joachim et de Anne. Évidemment, des personnes ordinaires comme chacun d'entre nous, mais des personnes qui ont su garder leur dignité d'enfant de Dieu, des personnes qui ont su disposer leur cœur, leur vie comme une terre fertile. Évidemment, leur vie a été féconde. La fécondité s'est réalisée en la personne de Marie. Marie, dont le Seigneur a accueilli le Verbe de Dieu. Grâce à elle, oui, le salut est entré dans le monde. Nous avons à rendre grâce au Seigneur, de crier de joie, d'exulter de bonheur, car, on peut dire, sans l'assentiment de Joachim et de Anne, sans leur lui, Marie n'aurait pas existé. Sans leur oui, sans l'éducation qu'ils ont donnée à Marie, elle ne serait pas capable non plus, peut-être, de dire oui à Dieu pour que le Verbe de Dieu puisse prendre corps avec l'humanité. Ainsi donc, ô Seigneur, nous nous tournons vers toi, tel que tu as transformé le cœur de Joachim et de Anne pour qu'ils soient de véritables parents. Nous te rendons grâce et nous te demandons, tel que tu as façonné leur vie, soit de vrais grands-parents pour Jésus, nous te prions pour tous les parents et nous te prions pour tous les grands-parents ici présents, que tu fortifies leur cœur,
que tu éclaires leur chemin, que tu leur donnes la grâce d'apporter à leurs petits-enfants, à leurs enfants, les prémices de l'espérance, que tu leur permettes d'inculquer à leurs enfants, leurs petits-enfants, la sortie, le oui de Marie, le oui de Jésus. Et que la grâce de l'Esprit Saint éclaire la vie de chacun d'entre nous comme disciples du Christ pour que le monde reconnaisse que Dieu est amour, que Dieu vit dans ce monde et que Dieu veut le sauver à travers l'assentiment, à travers le oui et le consentement de chacun et de chacune d'entre nous. Et que cette bénédiction remplisse nos cœurs au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, t'en prions,
Accepte ce que nous t'offrons de grand cœur. Fais que nous ayons part à la bénédiction promise à Abraham et à sa descendance. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon pour ta gloire. Et notre salut, notre fil, notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout puissant. Toi, le Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création afin qu'il soit le gardien et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Sanctus, 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 dominus, dominus. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es aimé. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu, fier Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir ta charité en union avec notre pape François, notre administrateur apostolique, Monseigneur Alain Guélec, l'archevêque nommé Robert Thurény, les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de ceux pour qui nous offrons l'Eucharistie de ce jour, Madame Catherine Héral et Jean Martineau. Seigneur, accueille-les tous dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur les communautés et les paroisses ou les diocèses qui sont sous le patronage de Saint-Anne.
Nous te prions également pour les grands-parents qui ont la charge de transmettre à leurs petits-enfants la grâce de l'espérance. Permets donc qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son épouse, les apôtres, les martyrs, Saint Joachim, Sainte Anne et tous les saints prophètes à jour au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. D'espérance, nous disons ensemble. Notre Mère, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux que nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de chacun d'entre nous. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours ta paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous.
Prions ensemble le Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu as voulu que ton Fils unique naisse de la famille humaine pour que celle-ci, par un admirable mystère, renaisse de ta propre vie. Dans ta bonté, accorde à celles et ceux que tu as nourris du pain de tes enfants, en particulier Catherine Héral et Jean-Martino qui nous ont quittés, d'être sanctifiés par ton esprit d'adoption et qu'ils vivent éternellement auprès de toi. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Voilà, juste avant de nous séparer, et le dernier chant. Et cette semaine, donc, quelques paroissiens de Stella Maris et des groupes d'animation s'organisent pour l'adoration et la louange à l'église de Palabas à partir de 21h. Donc aujourd'hui, ce soir à 21h, le jeudi à 21h et le vendredi aussi normalement à 21h. Donc celles et ceux qui désirent passer un petit moment avec les paroissiens à Palabas, vous êtes les bienvenus. Donc l'adoration et la louange avec l'accueil des touristes à l'église à 21h jusqu'à 23h. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et dans la joie du Christ. Bonne soirée à vous tous. Christ aujourd'hui nous appelle.